Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faisons gagner la vie. Aujourd'hui, cap sur le Hainaut. Nous irons d'abord à Dlaude-Linsart pour la soirée du comité, les accros du Télévis. Et ensuite, du côté de Stré, ce sont les deux roues qui se sont mobilisées. Et sachez que le comité Clermont est actif depuis 22 ans déjà. L'élection de Miss Télévis Charleroi s'est terminée sur une note romantique. Un moment d'émotion et de partage. La première dauphine est elle-même montée sur le podium en mémoire d'un proche. Oui, j'ai un membre de ma famille qui malheureusement est décédé à cause d'une leucémie. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Et c'est pour encourager les gens à continuer dans leur lancée et ne pas abandonner. Et cette année, de bonnes nouvelles ont illuminé la soirée. Il y avait des enfants qui étaient en rémission, qui voulaient participer pour montrer qu'il faut se battre contre le cancer, qu'il faut aller vers l'avant, qu'il faut se mobiliser pour cette belle cause qu'est le Télévis. 240 personnes sont venues soutenir la lutte contre le cancer, une mobilisation qui réjouit Mélanie Pousseur, marraine de l'événement. Et on a tous un proche ou quelqu'un de la famille qui est touché par cette maladie. Je crois que c'est pour ça que tout le monde se sent touché et vient ici. Et donc c'est vraiment un super bon esprit. Vive le Télévis ! C'est à deux roues que plus de 200 personnes ont soutenu le Télévis à Stré. Ça fait des années qu'on voit sur RTL que le Télévis, donc ça fait des années qu'on participe. On a déjà fait l'an passé aussi le Télévis, tout à fait. On est toujours présent pour ce genre d'activité. Après de nombreux kilomètres parcourus, les participants ont savouré un délicieux repas. Voilà une belle assiette pour le Télévis. Merci, vive le Télévis. C'est Martine, Christine et Monique, trois sœurs, qui l'ont concocté pour l'occasion. Elles se mobilisent chaque année, conscientes que la maladie peut frapper à tout moment. Parce qu'on a beaucoup d'enfants, de neveux et nièces, de petits-neveux et nièces. Donc on dit que ça peut les toucher tous. Et puis on a eu notre papa qui a eu un cancer. Le comité de Clermont s'est réuni depuis 22 ans et Jean-François compte bien poursuivre le combat pour aider les victimes de la maladie. J'ai la chance d'avoir une bonne santé, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc je crois qu'il faut s'investir pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne santé. Vive le Télévis ! Merci à tous pour votre générosité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook et retrouver tous les moments inédits de Télévis sur Facebook, Twitter et Instagram.